Voilà, nous sommes encore une fois ensemble, mes chers amis, et pour parler, et pour vous écouter. Parler de quoi, et vous écouter, et je vais vous dire, dès maintenant, vous pouvez commencer à nous appeler, pour vous exprimer, si vous avez des informations à nous donner. Vous savez, c'est le mois de juin. Et le mois de juin, c'est la fête, chez nous. Puisque le mois de juin, c'est le mois de la création de la radio ici maintenant. Et 38 ans va entrer dans 39e année. Juste au départ de mon émission ce soir, je veux féliciter Didier Deplège, mon ami de longue date. Et on va le remercier toutes et tous pour nous donner cette occasion d'échange, de dialogue et de parole. Voilà. Ce qui est très rare actuellement. On n'a pas de parole. On ne nous écoute plus. N'importe où que vous soyez. C'est vrai. Il n'y a pas beaucoup d'écoute comme c'était avant. C'est pour ça, encore une fois, la radio ici maintenant devient un radio outils et de progrès pour vous et pour nous, toutes et tous. Vous savez, on est en train d'apprendre. Mon père, il disait, mon fils, chaque nuit, avant de dormir, si tu n'as pas ajouté quelque chose dans ta tête, la journée, c'était foutu pour toi. Il y a beaucoup de gens qui pensent à rajouter des sous dans leur caisse, leur poche, leur compte à la banque. C'est pas mal, hein. C'est pas mal de gagner de l'argent, les mettre de côté. Mais à l'époque, on pensait que le penser, c'était plus important que l'argent. Mais maintenant, la vie est pour certains tellement difficile et pour certains très à l'aise, que ce n'est pas non plus comme avant, question de l'argent. Mais voilà, mon père, il disait, il faut apprendre toujours. Il faut apprendre, et ce que nous apprenons, essayons de le transmettre aux autres. Que pensez-vous? Alors, qu'est-ce que vous avez à nous transmettre ce soir, ici et maintenant? Ici et maintenant, .com également, c'est notre site internet que vous pouvez nous regarder comme vous regardez à la télé, mes chers amis. Et sur radio numérique DAB+, également nous sommes présents sur le canal 9A de votre poste de radio DAB+. Et par l'internet, et même, imaginez-vous, par votre téléphone portable. Vous avez sans aucun doute de téléphone portable. Par votre téléphone portable également, vous pouvez nous regarder où que vous soyez. Vous tapez ici et maintenant.com et voilà, vous pouvez nous regarder. C'est la télé maintenant depuis longue date, mes chers amis.
Alors, le numéro, c'est le 08 92 23 95 20. Notre numéro pour parler, vous exprimer, poser vos questions, nous informer des informations que vous avez, c'est le 08 92 23 95 20. Vous écoutez Radio Ici et Maintenant sur 95.2 FM, sur Internet, icietmaintenant.com, sur la RNT, le canal 9A. Vous avez la parole en composant le 08 92 23 95 20. 08 92 23 95 20. Thank you.
David Abassi, écrivain, historien, philosophe, est avec vous tous les lundis et chaque dernier samedi du mois, dès 23h. David Abassi est l'inventeur de l'expression « l'islam politique et islam de France ». Il a écrit plus de 120 livres, plus de 5000 articles et réalisé plus de 7000 heures d'émissions radio et télévisées en 4 langues. David Abassi a reçu sur notre antenne plusieurs personnalités nationales et internationales. Pour mieux connaître ses activités en 4 langues, cliquez sur france-6opinion.info. Vous pouvez intervenir pour vous exprimer, poser vos questions, réagir sur l'actualité, partager vos informations en composant le 08 92 23 95 20. 08 92 23 95 20. Voilà, toujours on nous a dit qu'il y a un combat dans la vie, combat de mal contre bien, bien contre mal, la lumière contre les ténèbres. Voilà, ce combat éternel existe toujours. Mais moi, je pense également qu'il y a un autre combat qui est lié à ce combat. C'est le combat de la vérité et de mensonge. Mensonge contre la vérité et la vérité contre mensonge. Parce que tous les gens, tous les mouvements, tous les groupes, tous les tribus, tous les clans qui exercent le mal, qui ont soldats de ténèbres, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train de mentir peut-être, mentir aux autres pour gagner. Et cet combat, on n'en parle pas. Mensonge contre la vérité, et la vérité contre mensonge. Actuellement, avec cet progrès de numérique, ça, c'est encore plus visible qu'avant. C'est plus visible. Avec ce progrès numérique et avec manipulation des médias, ah oui, mes amis, oui. On est en train d'écraser les faibles, le pauvre, et manipuler les ignorants, manipuler pour devenir soldats gratuits pour l'armée de la mensonge, pour l'armée du mal, pour l'armée de ténèbres. Toujours, mes chers amis, les soldats des ténèbres, le soldat du mal, ce sont des individus gratuits, des imbéciles, des ignorants qui servent le Satan, n'est-ce pas, l'ennemi de la vérité, sans savoir, en pensant qu'ils sont en train de servir quelque chose ou quelqu'un. C'est ça le problème, mes chers amis. C'est ça, ce combat qui existe, qui existait, et va continuer à exister également. Jusqu'au temps que l'ignorance existe, le mal
les ténèbres, le mensonge va gouverner. Quel est votre avis? Mensonge contre la vérité. Et malheureusement, pour la plupart des fois, en majorité écrasée, c'est le mal qui tient le pouvoir. C'est le mensonge qui tient le pouvoir. Si nous trouvons dans l'histoire du passé ou d'aujourd'hui, certains individus qui avaient la volonté d'être dans le camp de la lumière et du bien et de la vérité. Malheureusement, ils n'ont pas pu vécu assez longtemps. Ils étaient écrasés, détruits, éliminés tout de suite. Pourquoi? Puisque les ténèbres, les ignorants et les imbéciles n'ont pas su comment défendre le camp de la vérité, le camp de la lumière, le camp du bien. C'est pour ça que toujours on disait bien penser, bien parler, bien pratiquer pour construire le paradis ici et maintenant. Le paradis, il faut le construire ici et maintenant. Avec ces trois choses-là, pensez bien, parlez bien, pratiquez bien, mes chers amis. Vous êtes sur la radio ici et maintenant. Retrouvez l'émission Soleil de Perse animée par David Abbassi en direct à partir de 23h sur ici et maintenant 95.2. Écoutez Radio ici et maintenant sur 95.2 FM et dans le monde entier par internet ici et maintenant.com. L'humeur du temps présentée par David Abbassi, écrivain et historien, tous les lundis et chaque dernier samedi du mois dès 23h. Vous avez la parole pour vous exprimer et poser vos questions en composant le 08 92 23 95 20. 08 92 23 95 20. Alors, vous savez que le mensonge, il y a partout, dans le politique, économique, social, dans l'amitié également. Les ennemis de l'amitié, ils détruisent l'ambiance amicale avec des mensonges et des trahisons. Mais bien sûr, dans la finance et l'économie aussi. Alors,
Bonne nouvelle peut-être. 1 milliard de dollars, la banque Société Générale, que Crédit du Nord également est filiale de la Société Générale, doit payer comme amende pour tricherie, voilà, pour mensonge économique. 1 milliard de dollars. Une partie, il doit payer à la France. Et une grande partie de cette 1 milliard de dollars, il doit payer aux États-Unis, les Américains. Ça, c'est concernant les transactions non légales. Non légales. 1 milliard de dollars. Alors, les banquiers, pour les banquiers, il n'y a pas de prison. Il n'y a pas de saisie, il n'y a pas de dossier qui va aller le voir. Même pas, c'est pas la peine de passer devant les tribunaux. Ils font des accords avant de passer devant n'importe quel tribunal. Des accords. Et ils payent l'amende. L'argent. Les patrons, les gardiens de l'argent, ils payent l'argent sans passer devant la justice. Vous savez que dans les années passées, les banques françaises, qui sont actuellement internationales, ils ont payé plusieurs milliards de dollars des amendes, surtout aux Américains. Surtout, c'est les Américains qui ont touché les sommes colossales. Les sommes vraiment très, 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 eux. 1 milliard de dollars, maintenant, ils doivent payer. Tant mieux pour le trésor public français, puisqu'il va toucher un quart de ces 1 milliard de dollars qui paye Société Générale va payer. En plus, c'est lui-même qui l'a proposé de payer 1 milliard, voilà. Une question, c'est intéressant. Si vous savez des choses dans ce domaine, pourquoi pas? Prenez votre combiné de téléphone et composez le 08 92 23 95 20 et on est là pour vous écouter. 08 92 23 95 20. C'est David Abossi qui est avec vous. Comme tous les lundis, oh, c'est un lundi encore. Lundi, c'est le jour que la semaine du travail, ça commence. Pour une partie, mais pour une grande partie des gens, travailler samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi ne compte pas. Une partie des gens, ils travaillent tous les jours, même de temps en temps le soir. Ils travaillent très dur, très dur. Quand je vois les gens qui travaillent tellement dur avec des salaires, des misères. Ils travaillent tous les jours. Mais pour une grande partie, c'est à partir de lundi que le travail, ça commence. C'est très intéressant, puisque les 3 derniers jours de la semaine également, c'est les jours de week-end pour plusieurs peuples. C'est très intéressant. Ça tombe un après l'autre. Vendredi, c'est la journée de repos pour les musulmans. C'est intéressant, non? Et samedi, c'est pour les juifs. Et le dimanche, c'est pour les chrétiens. En plus, dimanche, c'est officialisé presque. Dans une grande partie du monde, dimanche, c'est sûr, 100%, même si de temps en temps, dans certains pays, c'est interdit de travailler. Mais pour les juifs, samedi, Shabbat, et pour les musulmans, Jum'a, vendredi, comme ça, comme si. Mais ça aussi, c'est très intéressant, non?
C'est bien calculé. C'est-à-dire, si les musulmans nous disaient, voilà, nous, on va prendre notre repos mercredi. Et les juifs, ils disaient, par exemple, je ne sais pas, lundi. Après, ça décalait le week-end. Mais maintenant, le week-end, ça colle presque pour tout le monde. Pour tout le monde, presque. Hein. Ça colle bien, 3 jours à la suite. Alors, vous savez, cet calendrier que nous l'avons actuellement, vous savez, c'est fondé par qui? Vous savez ou non? Allez, je vais vous laisser le temps de réfléchir et de me répondre. 7 jours de la semaine, 29, 30, 31 jours du mois, 12 mois de l'année, 365 jours de l'année, 24 heures la journée. C'est qui fondateur de cette agenda, cette calendrier? C'est qui? Et c'est depuis quand? Savez-vous? 08 92 23 95 20. Vous pouvez tenter votre chance de savoir. Et si vous savez quelque chose, partagez-le avec nous. Partagez-le avec nous, mes chers amis. 08 92 23 95 20.
Vous écoutez Radio Ici et Maintenant sur 95.2 FM, sur Internet, ici-et-maintenant.com, sur la RNT, le canal 9A. Vous avez la parole en composant le 08 92 23 95 20. 08 92 23 95 20. David Abbassi, écrivain, historien, philosophe, est avec vous tous les lundis et chaque dernier samedi du mois, dès 23h. David Abbassi est l'inventeur de l'expression « l'islam politique et islam de France ». Il a écrit plus de 120 livres, plus de 5000 articles et réalisé plus de 7000 heures d'émissions radio et télévisées en 4 langues. David Abbassi a reçu sur notre antenne plusieurs personnalités nationales et internationales. Pour mieux connaître ses activités en 4 langues, cliquez sur france-opinion.info. Monsieur Bachir, bonjour. Oui, bonjour David. Comment ça va? Ça va, tranquillement, quoi. C'est pas la haute forme, mais bon, on fait aller, quoi. Ce que je voulais dire, c'était par rapport à la condamnation là, de Mélida Boujedir, là, qu'il y avait la question par rapport à la question de la femme dans l'islam, quoi. Dans la femme se doit d'obéir totalement à son mari. La femme qui était condamnée en Irak? Oui, en Irak, voilà. Oui. Elle a quand même échappé à la peine de mort, mais bon, elle a quand même la perpétuité, 20 ans de prison de 20 ans de scellé, quoi. Par rapport au fait qu'elle, elle disait qu'elle avait suivi son mari sous la menace de son mari qui voulait prendre en otage ses enfants, donc elle a été obligée, tout ça. Et donc les juges n'ont pas tenu compte de cette menace. L'homme avait donc les droits de... C'est-à-dire que si la femme... Et d'un côté, il y a une contradiction, quoi. On condamne une femme parce qu'elle suit son mari. De l'autre côté, la femme se doit d'obéir à son mari. Donc où est la justice, quoi. En fin de compte, c'est tout un système où c'est les hommes... qui cherchent le pouvoir, qu'ils soient dans le terrorisme ou dans des gouvernements soi-disant légaux. Donc il y a un problème. C'est-à-dire, Bachir, tu veux dire qu'encore une fois, c'est Madame Bougadir, c'est Bougadir, hein, c'est ça? Oui, voilà, Bougadir. Il était encore victime de l'islam, alors? Je sais pas. Parce que tu viens de dire, dans l'islam, on est obligé de poursuivre. Je comprends pas. Ouais. Selon ton argument. Une femme qui était obligée d'aller là-bas pour rejoindre. Donc c'était dans les trucs djihadistes, tout ça. Et elle allait condamner alors qu'elle participe. C'est pas par rapport au fait qu'elle participé ou au truc, mais c'est par rapport au fait qu'elle était obligée. Donc les hommes là-bas savent très bien que les juges que les hommes obligent leurs femmes à faire ceci, à faire cela. Il y a une présomption de culpabilité, une volonté réelle de cette femme de vouloir combattre avec les djihadistes.
une femme qui a des enfants. Mais les gens qui étaient massacrés pendant toute cette guerre-là, ils avaient des enfants, des familles et tout ça, hein. Il ne faut pas martyriser l'individu terroriste. C'est-à-dire qu'au niveau des circonstances, on comprend pas, enfin, il n'y a pas de preuve que cette dame a été est volontaire, militante. Et donc, Tu connaissais cette femme, Bachir? non, non, je Alors, comment sais tu peux pas dire qu'il n'y avait pas de dans ce preuves? jugement, est-ce qu'ils ont Et il y essayé. avait des juges, il y avait des éléments, en plus, en Irak. Nous, on ne peut pas juger l'individu. Nous, on ne peut pas dire qu'il n'avait pas de preuves. On ne peut pas dire ça, Bachir. Non, on peut rien dire, mais bon, il n'y a pas une présomption d'innocence, quoi. C'est ça le truc, c'est-à-dire que par rapport à une condamnation. Bon, c'est surtout la question de la femme dans l'islam, quoi, enfin, les C'est préjugés ça, qu'il y c'est-à-dire a. la femme en islam, il est obligé d'obéir son mari. Oui, voilà, c'est ça. Même pour tuer. D'un côté, et puis de l'autre côté, on condamne une fois parce qu'elle a oublié son mari, on la condamne. C'est pour souligner cette contradiction, quoi. Tu sais que pour une fois, elle était jugée et elle était relaxée. C'est en Comment? deuxième. Une fois, elle était jugée et elle était relaxée. Ah, c'est C'est pas le exactement la même deuxième chose. tribunal qui l'a condamné. Il l'a condamné. En plus, tu sais, la France ne pensait pas comme toi. La France, il a salué la justice irakienne et son Ah, indépendance, enfin, j'en ai pas par plus. rapport de l'État français ou d'autres États, j'en sais pas. C'était un. À mon avis, vous pouvez vous L'Irak exprimer. est libéré du diktat de Saddam Hussein, donc normalement ça doit être orchestré par des gens C'est-à-dire, tu sous penses juridiction qu'on n'a pas bien jugé cette américaine. femme-là? Tu penses qu'on devait le libérer? Non, non. Non, parce que tu es en train de le défendre, hein? Bachir. La fille a été condamnée, elle est emprisonnée. Ouais, mais tu es en train de le défendre. Tu dis que Saddam Hussein et tout ça. Non, c'était une femme terroriste. Le tribunal d'Irak, irakien. Vous avez donc des preuves qu'elle était terroriste? Sachez pas, moi je n'ai pas de preuves. Moi et Si toi, vous avez des preuves, on n'a pas c'est aucune preuve, mais le tribunal, sans aucun doute, il l'avait. Hein. On n'était si c'est pas réellement là-bas. terroriste, effectivement, elle Ouais, est condamnable. on n'était pas là-bas, on ne sait pas. Oui, mais on n'a aucune information, c'est pour ça. Sur la réalité de ce qui se passe là-bas. Mais bon, c'est pas ça le plus important, c'est la question de la soumission de la femme dans l'islam, quoi, c'est ça. Et dans l'islam, Enfin, on peut alors, traduire si. parce qu'on n'a pas d'éléments pour savoir la vérité, justement. Ouais. Parler de la vérité. Est-ce que comment trouver la vérité? Donc il faut aller là-bas et puis si on veut là-bas, on risque d'être prisonnier parce qu'on n'a pas Même de si tu vas témoignage. aller là-bas, tu vas pas trouver la vérité là-bas, Voilà. hein. Et si on veut trouver la vérité, on risque d'avoir des problèmes. Non, il a des, Comme cette dans femme, certains elle a DR. des avocats. Ouais. Voilà, c'est tout ce que je voulais souligner hein, par rapport à ça. Donc, je vous écoute s'il y a d'autres personnes qui veulent D'accord. lancer sur ce débat-là, quoi. Excellent. Merci, Bachir. Je vous en prie, David. C'était Allez, ciao. Au revoir. Bachir, 95 de FM. Mes chers amis, vous aussi, vous pouvez tenter votre chance. C'est une chance gagnante, 100%. Vous composez le numéro et vous êtes sous l'antenne et vous exprimez. C'est le 08 92 23 95 20. Ça aussi, c'est pas mal de nous donner vos idées.
Les femmes, les hommes terroristes auraient été en Syrie ou en Irak ou dans d'autres pays. Qu'est-ce qu'on doit faire avec ces gens-là? On doit les juger? On doit retourner ces gens-là dans leur pays? Imaginez-vous qu'on va retourner tous les terroristes là-bas. Après, vous savez, chaque individu, il va tout faire pour se défendre. Pour se défendre. Il va dire que non, j'ai rien fait. Personne ne va pas dire que j'ai tué, j'ai fait. Même, vous voyez, les tueurs professionnels, ils n'avouent jamais, sauf si vous avez des pièces, des documents, des preuves. Si vous pouvez prouver, après des éléments trouvés, même des assassins ne vont pas avouer. Mais les terroristes, une partie de terroristes, quand on les arrête, ils sont fiers de ce qu'ils ont fait. Pourquoi? Puisqu'ils pensent, ces cons-là, ils sont tellement cons, qu'ils pensent qu'ils l'ont fait au nom de Dieu, c'est le Dieu qui les a demandés. Ces cons-là ne connaissent même pas le Dieu. Ne connaît même pas le Dieu, puisque le Dieu, de n'importe quelle couleur, le Dieu. De n'importe quelle religion, le Dieu. De n'importe quel pays, quelle langue, le Dieu, il est gentil. Il n'est pas assassin. Jamais le Dieu ne va pas ordonner de tuer quelqu'un. Tous les idoles qui ordonnent de tuer, ils ne sont pas des dieux, hein. Dieu, unique, éternel, Dieu qui est la vérité, qui est l'énergie positive, qui est l'intelligence de l'univers. Dieu qui est organisateur de l'univers, la sagesse de l'univers. Cet organisateur, sagesse, et tout ça, jamais il ne va pas ordonner de tuer. Lui-même, il ne tue pas les gens qui ne le respectent pas. Il te laisse libre de croire ou pas croire. Il te laisse libre de faire tes prières ou pas. Après, c'est qu'on laisse en qui tue les gens au nom de Dieu. Après, on va les pardonner. C'est qu'on-là. C'est qu'on-là, c'est existé dans toute l'histoire. C'est les imbéciles, ignorants, qui deviennent soldats gratuits de la haine, de la jalousie et de la crime, mes chers amis. Oui, mes chers amis, oui, c'est ça qui est grave. C'est ça qui est grave, mes chers amis. Vous écoutez Radio Ici et Maintenant sur 95.2 FM, sur internet icietmaintenant.com et sur la RNT, le canal 9A. L'humeur du temps, tous les lundis dès 23h et Soleil de Perse, tous les derniers samedis de chaque mois, est présentée par David Abbassi, écrivain et historien. Vous avez la parole pour vous exprimer et poser vos questions en composant le 08 92 23 95 20. Pour connaître l'actualité de David Abbassi en quatre langues, rendez-vous sur opinion.pm. Voilà, le 08 92 23 95 20, vous avez la parole. Ce que Bachir vient d'évoquer, c'est très intéressant. Que pensez-vous, les terroristes, qu'est-ce qu'ils vont faire?
Est-ce que jour après jour, ça va augmenter ou réduire cette guerre en vogue qui a été déclarée, qui continue tous les jours? Aujourd'hui encore, il y avait des attentats. Surtout pour nous parler de ces gens-là qui sont victimes. C'est des musulmans même. C'est des musulmans même. Hein. Alors, c'est vrai qu'il y a plus de tendances. Mais c'est des musulmans même qui sont toujours victimes de tous ces actes terroristes. Et bien sûr, de temps en temps, en Occident aussi, en Europe, même de temps en temps aux États-Unis, maintenant, on voit des actes. C'est très dangereux. Alors, seule façon de gérer et régler ça, et comme David il a dit depuis quand j'ai parlé de l'islam politique, à l'époque, j'ai dit qu'il faut créer un protestantisme, comme les chrétiens ils ont fait. Et ils ont créé le protestantisme contre l'Église, contre les clergés. Les gens comme Martin Luther King, ils ont travaillé pour éclairer les gens et nettoyer certaines pensées traditionnelles, en vogue. Ça, dans la communauté musulmane, n'ont pas autorisé encore. Même l'attentat d'aujourd'hui, c'était fait en Afghanistan quelques minutes après la décision des clergés de ce pays en condamnant l'islam terroriste. Dès qu'ils ont annoncé qu'ils condamnent l'islam terroriste, l'attentat, et voilà, encore plusieurs innocents tombés par terre. C'est ça que cette peur de mourir, existe. Et c'est pour ça le courage parmi les clergés musulmans d'annoncer, de créer un mouvement de protestantisme islamiste contre les islams intégristes, djihadistes, terroristes. Le courage, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, puisqu'ils sont toujours en danger et il n'y a pas de courage. Pourtant, la jeunesse, oui, vous voyez, moi je vois actuellement, surtout, l'autre jour j'avais parlé avec un copain, on voit dans les restaurants, par exemple. C'est quelque chose que cette année j'ai constaté. Avant, je ne voyais pas comme ça. Nous sommes au mois de Ramadan, mais le pratiquant musulman, c'est réduit. C'est-à-dire dans les cafés, dans le restaurant, dans la rue, en marchant, dans le métro, à droite, à gauche, vous voyez les gens musulmans qui mangent. C'est-à-dire il y a un abandon de l'islam de côté des musulmans même. Avant, ce n'était pas comme ça. Avant, n'importe qui vous le voyez, disait « Ah, je fais Ramadan, je fais Ramadan ». Maintenant, même de temps en temps, il dit, l'individu, s'il sait que toi, tu n'es pas musulman, il va te dire carrément que je ne fais pas de carême, je ne fais pas de Ramadan. S'il doute que tu es musulman, qu'il te pose la question, il va dire « Ah, je suis malade, c'est pour ça que je ne fais pas tout ça ». Cette année, j'ai constaté ça. En plus, il y avait un sondage qu'ils sont actuellement en train de le faire. Je crois que ça va être diffusé peut-être la semaine prochaine, même peut-être jamais ne vont pas le diffuser, puisqu'il y a toujours des contestations, ils vont avoir peur, peut-être seulement ils vont le faire, le garder, parce que vous savez, pour la plupart des fois, quand on fait des sondages, on ne le publie pas. Pourquoi? Puisqu'on a encore peur, on est terrorisé de terroristes. Je vous assure, hein, les terroristes, ils terrorisent même de temps en temps des institutions républicaines. Ils terrorisent, ils ont peur. Moi-même, j'ai parlé avec plusieurs personnalités politiques internationales, même une fois, j'ai parlé avec un roi. Il m'a dit, David, nous, on ne peut pas
dire tout ce qu'on va dire, puisque il y a des musulmans, on ne peut pas dire. Alors, ce sondage-là aussi, peut-être qu'ils ne vont pas le dire, mais ça fait 2 jours qu'on le fait, et ce sondage, c'était le cas que je viens de vous dire. Cette année, vous voyez peu de musulmans par rapport aux années précédentes, c'est-à-dire une grande partie, ils ont abandonné l'islam, surtout quand il y a l'islam en Tunisie, dans d'autres pays, et quand tout au nom de l'islam et tout ça, vous savez, ce n'est pas seulement Syrie, Irak et Afghanistan, ailleurs aussi il y en a. Afghanistan, par exemple, vous savez que le burqa, ça existe, et les femmes sous la pression, tout ça, mais je connais beaucoup d'Afghans qui sont en Allemagne et ici, qui ne sont plus musulmans. Ils disent officiellement qu'ils ne sont plus musulmans. Ça aussi, c'est une question à voir. Et quand il y a le courage jusque-là, alors il faut le courage chez les chefs religieux, les chefs musulmans, d'annoncer le nettoyage d'idéologie islamiste. Nettoyage de certains versets guerriers du Coran que les terroristes ils tiennent compte pour tuer les gens. Les sujets, c'était très variable ce soir. Voilà. Que pensez-vous? 08 92 23 95 20. Vous écoutez Radio Ici et Maintenant sur 95.2 FM et dans le monde entier par internet, icietmaintenant.com. L'humeur du temps présentée par David Abassi, écrivain et historien, tous les lundis et chaque dernier samedi du mois dès 23h. Vous avez la parole pour vous exprimer et poser vos questions en composant le 08 92 23 95 20. 08 92 23 95 20.
parle de sécurité, en particulier de la sécurité de la France. Depuis les attaques de janvier 2015 contre Charlie Hebdo jusqu'à la mort du père Jacques Hamel à Saint-Étienne-du-Rouvray en juillet dernier, 236 personnes ont perdu la vie dans des attentats terroristes sur le territoire français. Mais est-ce la fin ou pourrions-nous faire face à pire encore? Selon le Premier ministre, il y a actuellement en Syrie ou en Irak près de 700 djihadistes français ou résidents en France. Le retour, selon Manuel Valls, qui s'exprimait cette semaine, représente une menace supplémentaire pour notre sécurité nationale. On en parle ce soir avec mes invités, Yves Pozzo di Borgo, sénateur Bonjour, UDI. Bonsoir. On est ravis de vous recevoir, vice-président également de la Commission des affaires européennes. En plateau également ce soir avec nous, Claude Moniquet. Souffraient. Ceux qui ont rejoint l'État islamique depuis 2014 savent exactement ce qu'ils font. Ils ont rejoint une organisation criminelle qui trafique les femmes esclaves sexuelles, qui brûle de ses prisonniers vifs, qui les égorge, qui fait des massacres, des attentats, etc. Donc ces gens, clairement, sont des gens dangereux. Mon opinion, c'est qu'ils n'ont pas théoriquement vocation à revenir. Mais c'est un autre débat. Le Premier ministre l'a dit, ils sont combattus par différents moyens, dont des moyens militaires. Je pense qu'une intensification des moyens militaires dans les semaines et les mois qui viennent, de manière à ce que le minimum de ces gens puissent revenir, soit en capacité de revenir, serait peut-être une bonne chose. Alors, sur cette question, Yves Pozzo di Borgo, de ces djihadistes qui reviennent, on en a vu quelques-uns. Je pense à l'attentat du Bataclan, notamment. Si on regarde les attentats des derniers 18 mois en France, c'est vraiment celui-ci qui a été très bien coordonné, plusieurs attaques en même temps, coordonnées de longue date par des djihadistes qui ont fait l'aller-retour en Syrie. Ils reviennent avec des façons très efficaces, finalement, de coordonner ce type d'attaque sur le territoire français. Je vais revenir d'abord, je crois que le ministre de l'Intérieur, hier, a bien précisé que le chiffre, alors il a ses sources qu'on n'a pas, que le chiffre des Français en Syrie était de 689, dont 275 femmes et 27 enfants mineurs. 17. Et je rejoins monsieur, c'est vrai qu'il a quand même des sources, et c'est quand même un chiffre qui est donné. Alors je sais que vous connaissez mieux que nous, c'est peut-être pas aussi simple que ça, mais c'est quand même pour nous un chiffre qui est important. C'est une base. C'est une base, oui. Et c'est vrai que ces personnes, lorsqu'elles vont revenir en France, soit de façon directe, soit de façon indirecte, parce qu'on ne maîtrise pas tous les trajets, vous savez, vous pouvez vous cacher, changer d'identité. Enfin, y a et c'est bien ce qu'on a vu ces derniers mois. C'est bien ce qu'on a vu ces derniers mois. Ça va devenir un très gros problème. Alors, il y a deux façons. Il y a ceux qui ont commis des délits. Donc là, il y a un texte de loi qui a été en plus, dont les peines ont été accentuées au texte de juillet 2016. Là, où on a la capacité, quand on peut prouver qu'il y a délit ou crime, si vous voulez, d'arrêter ces personnes-là. D'ailleurs, beaucoup sont déjà en enquête et qui sont en prison. Et puis, il y a cette masse, cette marge de personnes, 500, 600, peut-être plus, dont on ne sait pas ce qu'ils ont fait, qui vont revenir, qui, eux, sont en fait un potentiel bombe qui va être dans notre pays. Et c'est vrai que là, je dis ça, on a eu un débat politique au Sénat. Nous avons compris que c'était un problème. Et il y a une proposition de loi qui a été déposée en janvier 2016 par, à l'époque, Philippe Bas, le président de la commission des lois, et Françoise de Guéteau, et dans laquelle nous créions un délit. Le seul fait d'être étranger devenait un délit. Et lorsque le texte est revenu, le gouvernement a proposé son texte sur la datation de la procédure pénale au mois de juin-juillet, il n'a pas voulu retenir ce délit. Et on le regrette. Plusieurs fois, moi je vois Jean-Christophe Lagarde, le président de l'UDI, quand il a vu le président de la République, il a dit « il faut que vous créez un délit pour toute cette masse de combattants ou non-combattants, parce qu'on ne sait pas ce qu'ils ont fait là-bas ». Pour venir. Et ça, je crois que c'est l'interrogation que l'on a. Mais c'est un rappel, et on l'a vu plusieurs fois ces derniers mois, juste avant de me tenir vers vous, Gérald Darbois, Anne-Yvonne Le Dain, de cette difficulté de légiférer souvent par rapport à une situation qui est nouvelle, par rapport à une situation qui est compliquée et qui demande une législation toute particulière et pour laquelle on n'est pas forcément préparé. Non, c'est pour ça d'ailleurs qu'il a fallu, sur l'état d'urgence, on s'y est pris à trois reprises, parce que parce qu'il faut tenter de s'adapter à la situation telle qu'on la voit. Donc là, la dernière loi que vous évoquiez en juillet, elle est très costaud. On peut discuter par elle rapport... Est, c'est vrai. Elle est pas assez loin, mais elle est costaud. Elle est assez loin, elle est costaud. Et surtout, elle préserve quelque chose de fondamental, c'est que ce qu'on appelle l'état de droit, c'est-à-dire qu'il y a le travail de police-justice armée, et puis, police-gendarmerie armée, et puis d'un côté, la justice, deux ministères différents, de manière à ce que les droits des personnes, même les pires, soient préservés. Et que ça se passe dans le cadre d'un procès, et non pas l'enfermement d'office simple. Par contre, ces personnes qui sont en train de revenir, ou dont certaines vont revenir, et dont moi je partage l'analyse de mon voisin,
Elles ne passeront pas à la frontière sans qu'il se passe quelque chose, si on les a sous la main. Elles iront directement, qu'on le veuille ou non, dans des geôles. Et elles seront jugées. Donc, on a une. Hier à Montpellier, par exemple, ou avant-hier, il y a eu. Je ne sais pas s'il revenait ou pas, mais une personne qui faisait circuler des images de décapitation sur son blog, il a été jugé. Il a pris 5 ans de prison ferme. Et il n'est pas prêt de sortir. Gérald Darmanin, on a vu un durcissement des lois en vigueur en France pour essayer de confronter ce type de menaces. Est-ce qu'on est allé assez loin ? Aller assez loin, il faut protéger le peuple, le pays. Ces gens-là qui tuent en vaguement, il faut des lois aussi assez dures. Ce que c'était déjà fait, les lois déjà faites concernant les terroristes, surtout le retour des terroristes, et surtout le fichier S qui a été augmenté depuis le nombre. Alors, mais le plus important, c'est le retour de ces terroristes-là, mes chers amis. Que pensez-vous ? 08 92 23 95 20. Vous avez la parole, comme vous le savez. Et je suis là pour vous écouter. Et si vous avez des informations ou des idées à partager avec nous, n'hésitez pas. 08 92 23 95, mes chers amis. Le sujet, si ça ne vous intéresse pas, vous pouvez choisir votre sujet. Hein. On ne vous oblige jamais, mes chers amis. Choisissez votre sujet, qu'est-ce que vous voulez qu'on parle. Voilà, on est là pour vous écouter, mes chers amis. 08 92 23 95 20. Et on ira. Vous êtes sur la radio Ici et Maintenant. Retrouvez l'émission Soleil de Perse animée par David Abbassi en direct à partir de 23h sur Ici et Maintenant 95.2.
Vous écoutez Radio Ici et Maintenant sur 95.2 FM et dans le monde entier par internet, icietmaintenant.com. L'humeur du temps, présentée par David Abassi, écrivain et historien, tous les lundis et chaque dernier samedi du mois, dès 23h. Vous avez la parole pour vous exprimer et poser vos questions en composant le 08 92 23 95 20. 08 92 23 95 20. Voilà, on a parlé de beaucoup de choses. Juste au départ de notre émission, j'ai proposé de parler sur le combat de la vérité contre le mensonge. Et le mensonge qu'on nous donne tous les jours, partout, à droite, à gauche, c'est très important. On parle beaucoup de combat de mal contre bien, ténèbres contre la lumière, mais mensonge contre la vérité aussi, c'est quotidien partout depuis des siècles. Après, on a parlé sur la femme condamnée en Irak, Madame Bougadi, retour des terroristes, qu'en pensez-vous? Et $1 milliard, l'amende que la Société Générale doit payer. 08 92 23 95 20. Nous avons Bernard avec nous. Bonsoir Bernard. Comment allez-vous Bernard? Bonsoir, très bien. C'est la première fois que j'appelle. Excellent, mais seulement comme je vous ai dit, si vous pouvez parler un peu plus fort, s'il vous plaît. Merci. On vous écoute Bernard. Vous faisiez des chants simples à la roulette. On vous écoute Bernard. Allô? Non, merci. Bernard?
Alors, je voulais vous poser une question concernant les chances simples à la roulette, si vous m'y êtes autorisé. Allô ? Oui, pardon, votre voix il est très faible. Si vous pouvez, vous pouvez parler un peu plus fort. Allez-y. Alors, je vais parler plus fort. Merci. Alors, je voulais vous poser une question concernant les chances simples à la roulette. Oui. Je viens de trouver une méthode. Vous m'entendez ? Oui, oui, Bernard, oui. Alors, je bute, j'ai trouvé une méthode de jeu très valable, seulement il faut jouer en continu. Et je bute sur la notion de jouer en continu. Alors, je vous pose cette question. La roulette commence à 10h du matin. Et bien évidemment, je peux pas jouer comme ça. Je voulais savoir si en jouant tous les jours, en commençant à 10h du matin et en jouant 4h, ça équivalait à jouer en continu. Est-ce que vous m'avez entendu? Oh, mais je ne comprends pas qu'est-ce que vous voulez dire, mon cher Bernard. Bien, ça comment... Si je voulais savoir si jouer 4h tous les jours, en commençant tous les jours à la même heure, oui. Ça équivalait à jouer en continu. Si un de vos auditeurs peut me donner la réponse, ça me permettrait de... Bernard, je suis vraiment désolé. Votre voix est tellement faible et je ne comprends pas exactement ce que vous voulez dire. Permettez-moi de vous demander de changer de combiné de téléphone puisque votre voix il est tellement faible. Je n'entends de rien. Voilà. 08 92 23 95 20, mes chers amis. Vous pouvez nous appeler. C'est David avec vous. N'oubliez pas que je ne suis pas un voyant. Mais... Si vous avez des questions concernant l'histoire, l'actualité, business, bah oui, pourquoi pas. Même sur le business, je peux vous conseiller. Hein. Disons, si vous voulez devenir écrivain, comment est-ce qu'on peut devenir écrivain, vous voyez? Parce que j'ai fait beaucoup de livres, hein, plus de 120 livres. Hein. Mais je vous dis tout de suite, vous n'allez pas gagner l'argent en devenant écrivain. Puisque tout ça, c'est dans le combat de mal contre bien, la vérité contre mensonge. Et actuellement, vous savez, les maisons d'édition, vous devez avoir la chance que votre livre devienne célèbre, que vous pouvez gagner de l'argent, et surtout que l'époque du livre écrit aussi, c'est fini, ce n'est pas comme avant. Voilà, 08 92 23. 95, 20, je suis là pour vous écouter, mes chers amis. Thank you.
ici et maintenant. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Nous avons Simone avec nous. Bonsoir Simone. Bonsoir Simone. 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 Pour fête de terrorisme, c'est ça? Oui Simone, on vous écoute. Mais comment que ça fait vous que vous parlez de terroriste à son niveau? Je n'ai pas compris, parce que d'après ce que j'ai compris... Ils l'ont pas accusé de terroriste. Ils avaient des avocats, je crois. Ils n'ont même pas pu avoir accès à cette personne. Accès à qui, par rapport? Je n'ai pas entendu. Ils n'ont pas pu avoir accès avec leur cliente. Alors, informez-nous si vous savez des choses. On est là pour vous écouter. C'est la télévision, hein. C'est pas moi qui l'ai inventé. Hein. D'accord. Dites-moi, qu'est-ce que vous avez entendu? C'est normal qu'un avocat ne va pas accéder auprès de sa cliente. Ouais, c'est-à-dire, elle n'était pas présente dans le tribunal, la femme? La femme était présente, bien sûr, parce qu'elle est en prison. Mais les avocats, qui étaient là pour la défendre, n'ont pas pu accéder auprès d'elle. Avocat à charge de la part de la femme, ou c'était avocats volontaires qui sont allés là-bas pour le défendre? Je ne parle pas de ça, les avocats, ils sont là pour défendre les gens. Hein. Oui. Bon, ils n'ont pas pu rentrer en contact avec leurs clientes. Ah, d'accord. Voilà, donc vous trouvez ça normal? Non, moi je ne suis pas au courant de ces dossiers. Si vous avez des informations, vous pouvez nous donner. Non, parce que vous dites terroriste. Bon, c'était la femme d'un terroriste, voilà. Après, vous employez facilement, quoi. C'est très, très, très facilement. C'est une femme, on voit bien qu'elle a été manipulée par son mari et qu'elle avait quatre enfants, etc. Vous n'en tenez pas compte. Vous le connaissez? Il était manipulé, tout ça? Terroriste sans arrêt, quoi. Non, vous le connaissez alors? Vous savez qu'il était manipulé? Terroriste, c'est tout. Pardon? Je dis que c'est votre seul argument. Non, vous dites qu'il n'était pas terroriste, et il était manipulé par son mari. Et vous, comment est-ce que vous avez obtenu ces informations-là? Vous le connaissez? Et comment vous pouvez être sûr des informations diffusées dans les médias? C'est ce qu'ils ont déclaré à la télévision, l'avocat, tout le monde. Elle a quatre enfants, vous êtes d'accord ou pas? Vous le savez ou pas? Est-ce que si quelqu'un, il tue les gens, a pris les 4, 5, 6 enfants, on devrait le libérer? Avoir des enfants, c'est légitime pour que l'individu... Non, c'est pas... Je dis pas légitime pour... Pour faire des crimes? Pour tuer les gens? Des crimes? Écoutez, c'était la femme d'un terroriste que vous ne le connaissez pas. Vous ne savez pas qu'est-ce qu'il avait fait. Est-ce que vous savez qu'est-ce qu'elle a fait? Moi, je sais des choses, mais je ne vais pas vous dire. Moi, je connais une partie de ce dossier, monsieur. Et je connais mieux que vous. Je connais une partie de ce dossier-là. Je ne veux pas évoquer, je ne veux pas en parler. Vous parlez par affirmation tout le temps. Alors, mais je ne comprends pas votre attitude. Je ne sais pas. Cherchez pas le juste milieu, quoi, je veux dire. Non, juste milieu. Vous venez sur l'antenne pour défendre quelqu'un qui était condamné et que la France, notre pays, il n'a pas contesté. En plus, il a rendu hommage à ce tribunal. Oui, et vous, ici, vous le connaissez, vous savez qu'il était innocent. Vous devez nous donner des informations. Sinon, seulement puisque c'est une femme qui avait quatre enfants, vous voulez le défendre et dire n'importe quoi. Ces avocats n'ont pas pu avoir accès à leur cliente. Et vous dites c'est une assassin, c'est une terroriste, etc. Vous avez des informations à nous fournir? Allô? Je vous écoute. Non, mais je vous demande si vous avez des informations. Je viens de vous dire que j'ai des informations, je ne vais pas vous le donner, monsieur.
Mais ce que vous dites non plus, ce n'est pas correct, ce n'est pas juste, ce n'est pas légal ni loyal, et ce n'est pas dans le règlement ni dans l'ordre de la République. La République française, officiellement, il avait reconnu légitime ce tribunal, et Castaner, il a félicité le tribunal d'Irak, et vous ne connaissez pas cette personne, et si vous le connaissez, donnez-moi des informations, je vais être ravi de vous entendre, monsieur. Mais il ne faut pas dire que dans les médias, ils ont dit ça. Vous d'affirmer. Moi, je vous dis simplement que c'est une personne, c'est une femme qui a 4 enfants, son mari a dit qu'on va partir là-bas, elle est partie là-bas, et puis voilà, c'est tout, elle a suivi. Alors, d'un côté, vous dites, oui, les femmes musulmanes, ils sont soumises, c'est pas normal, etc., mais là, elle a été soumise, donc vous devriez au moins... Alors, ce n'est pas moi qui j'ai dit la femme musulmane s'était soumise, écoutez bien l'émission. Ne dites pas n'importe quoi. C'est pas moi que j'ai dit ça. C'était un auditeur qui a dit ça. C'était un auditeur. Il a dit ça. Ne soyez pas sensible à une femme. Soyez sensible aux innocents qui étaient assassinés, tués par des milliers, par ces gens-là. Monsieur, elle ne venait pas ici pour défendre quelqu'un seulement puisqu'il a 4 enfants. Et vous ne dites pas ce que moi, je n'ai pas dit. Enfin, moi, je connais mieux que vous l'islam en plus, voilà. Mais c'était un auditeur qui l'a dit, et c'est l'islam qui l'a forcé. Vous voyez, ce n'est pas moi. Vous n'écoutez pas, vous dites n'importe quoi. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs. Parce qu'il se passe plein de choses dans le monde, vous n'en parlez pas beaucoup. Il y a des gens qui tirent sur des enfants à balles réelles, alors qu'il n'y a rien en face. Même si on dit que, soi-disant, il y a des armes derrière, c'est faux. Tout le monde le sait, et là, vous n'en parlez pas. Là, ce n'est pas des assassins. Là, ce n'est pas pour Dieu. C'est pour qui, alors? Voilà. Si vous avez des informations, vous voulez parler de quelque chose, parlez. Qui a tiré sur les enfants? Bon, écoutez, monsieur. Non, écoute. Qui a tiré sur les enfants? Vous le savez aussi bien que moi. C'est pas la peine de me... Non, moi, je ne le sais pas. Alors, vos informations, c'est... Vos informations, monsieur. Monsieur, écoutez-moi. Vos informations. C'est à la télévision, c'est sûr. Voilà, regardez toutes les télévisions alors. Regardez. Est-ce que vous avez regardé la télévision Israël aussi à ce sujet? La question. Est-ce qu'au sujet des manifestations, vous avez regardé la télévision israélienne aussi, en arabe ou en français? Non. Non, écoute, Baba, reste avec moi. Reste avec moi et réponds, s'il te plaît. C'est condamné d'une manière... Pour juger quelqu'un, il faut écouter les deux versions. Pour juger quelqu'un, il faut rester avec moi, écoutez-moi. Ne soyez pas comme ça. Venez dire ce que vous voulez dire et n'écoutez pas, n'entendez pas ce que David il vous dit. Après, vous dites au revoir. Dites-moi ce que vous avez à dire. Voilà. Et pour juger quelqu'un... Voilà, je suis en train de parler. Vous permettez? Pour juger quelqu'un ou n'importe quel pays, n'importe quel mouvement, il faut écouter les deux côtés. Je ne juge personne, moi je constate. Non, moi je vous pose la question, monsieur, je n'ai pas terminé. Ne me coupez pas ma parole. Une fois que je finis, je dis, j'ai fini, c'est à toi de parler. C'est la première règle humaine. D'accord, vous parlez tout le temps de toute façon. Écoute-toi, tu as parlé tout le temps, moi je ne t'ai pas arrêté, mais tu dis n'importe quoi. Alors maintenant, tu laisses que je te pose une question ou non? Tu me laisses? Tu poses une question ou non? Allez-y, je vous... Merci, tu ne vas pas me couper. Là. Voilà, je te pose la question. Pour juger quelqu'un ou quelque chose, est-ce qu'il faut écouter les deux parties ou non? Oui ou non? Merci. Alors, tu parles, tu n'as pas cité... Je suis en train de parler, s'il te plaît. D'accord. Je n'ai pas fini la question. La question, c'est ça. Pour juger ce qui se passe en Israël et en Palestine, vous devez écouter les informations qui viennent de deux côtés. De côté d'Israël et de côté palestinien. Oui, est-ce que vous écoutez, vous regardez la télévision, les radios israéliennes aussi ou non? Israélien. Si je parle, moi, toi... D'origine juive, hein, mais ça n'a rien à voir, de toute façon. Non, vous n'êtes pas d'origine juive. Vous avez choisi un homme juif, mais vous n'êtes pas juif. Voilà. En plus, vous voyez, mentir aussi, c'est tellement simple et facile. Ah, d'accord. Voilà. Alors, permettez-moi de parler. Regardez, première règle. Quand David, il est en train de parler, comme toi, quand tu es en train de parler, moi, je ne parle pas, s'il te plaît. Première règle, qu'on le respecte, qu'on avait appris depuis qu'on était petit, nous,
c'est de laisser l'individu qui est en face de toi parler et tu ne coupes jamais sa parole. Vous avez coupé ma parole 50 fois. Moi, je vous laisse parler et après que vous avez fini, je parle avec vous. Ne quittez pas l'antenne parce que je veux dialoguer avec vous. Voilà, parlez-vous, parlez, s'il vous plaît. Vous avez la parole, allez-y. Non, pas du tout, je vous écoute. Mais je sais très bien ce que vous allez dire, de toute façon. Alors, vous penchez toujours du même côté, donc c'est pas difficile à comprendre. Alors, est-ce que vous avez écouté les informations des médias israéliens concernant les manifestations ou non? Oui, bien sûr. D'accord. Qu'est-ce que vous avez appris? Qu'est-ce qu'on vous a montré là-bas? Mais j'ai rien appris. J'ai appris que simplement, ils ont tiré sur des gens, des enfants, des femmes. C'est la télévision d'Israël qui l'a dit ça? On les compte plus maintenant, hein. Voilà, ça compte pas. De toute façon, ça compte pas. C'est pas des êtres humains, c'est des sous-êtres ou je sais pas ce que c'est. Voilà, c'est tout. Sur des gens désarmés qui manifestaient tout simplement. Voilà, tout simplement. Voilà mon point de vue. Mais j'ai pas demandé votre point de vue. C'est quoi le vôtre ? Moi, je n'ai pas demandé votre point de vue. Est-ce que vous m'entendez ou non? Je vous ai dit, vous avez écouté les médias israéliens, oui ou non? Mais oui, mais bien sûr que vous pouvez écouter les médias israéliens. Alors, attendez, quel média? Comment il s'appelle ce média-là que vous avez entendu? Le nom, s'il vous plaît. C'est partout, écoutez, monsieur. Écoutez, en France, nous avons TF1, Nintendo, LCI, patati patata. Écoutez, pour, vous me dites, vous me donnez le nom des médias que vous avez écoutés. Les arguments, etc., sans arrêt. On les, pourquoi? Mais ils ont raison d'avoir des arguments, de toute façon, c'est normal. Mais moi, la question que je vous pose, c'est que vous trouvez normal de tirer sur des enfants, sur des femmes qui sont non armées? C'est ça la question que je vous pose. Mais vous ne m'avez pas répondu, mon cher ami. Pardon? Je vous ai posé la question. Vous avez dit que vous avez écouté les deux côtés, les deux parties. Alors, partie israélienne, quels médias vous avez écouté ou regardé? Je ne sais pas. Et moi, j'emploie pas les mots comme vous, terroristes, assassins et compagnie. Je trouve que c'est inadmissible de tirer sur des gens désarmés, simplement à balles réelles, tout simplement, sur des femmes et des enfants. C'est tout. Tout le reste, c'est de la politique, ça ne m'intéresse pas. Je trouve simplement que c'est pas très bien. Voilà. Voilà, monsieur, merci et bonne soirée. Merci beaucoup. Voilà, je suis désolé de constater et d'insister que vous dites tout ce que vous voulez, vous coupez la parole de la personne qui est en face de vous, vous ne respectez pas la personne, vous dites des choses que lui n'a pas dit. Vous avez commis plusieurs fautes et erreurs. Et à la fin, si vous dites que vous êtes juif, vous choisissez un homme juif. Et puisque vous êtes autorisé de mentir. Et vous dites seulement qu'on a tiré sur les enfants. Et quand je vous pose la question, si vous avez écouté et regardé les deux parties, vous dites oui. Mais j'ai dit à la partie israélienne, quelle radio, quelle télévision vous avez écouté? Vous n'avez rien à dire. Je suis désolé, monsieur. La première chose dans la vie, il faut rester honnête. Il ne faut pas mentir. Il faut rester honnête. Vous voyez, il faut donner la... Moi, je vous donne la parole. Moi, je suis là, ici, je vous donne la parole. D'accord? Je vous donne la parole. Après, je vais vous poser une question. Je suis en train de parler et vous parlez. Et vous dites n'importe quoi, vous répétez une chose. La première règle, humanisme, première règle, n'importe où, quand on l'apprend, même à la crèche, c'est que quand quelqu'un est en train de parler... On ne doit pas parler. Deuxièmement, quand on pose la question, vous répondez à la question. Troisième chose, vous ne dites pas les choses que moi, je n'ai pas dit. Je suis là, ici, vivant, et vous dites, vous n'êtes pas obligé de changer votre identité pour vous exprimer ici. Mentir et changer votre identité pour vous parler, pour vous exprimer. Non, ce n'est pas la peine. Restez ce que vous êtes et vous avez la parole. Bonsoir, c'est qui? Allô? Allô, allô? 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 Oui. Allô? Bonsoir.
C'est qui? Allez, parlez un peu plus fort, s'il vous plaît, une fois que vous êtes sur l'antenne. D'accord? Parce que votre voix est très forte. Non, vous devez parler plus fort quand vous êtes sur l'antenne. Merci, Malik. Ne quittez pas. Malik, bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, Malik. Bonsoir, vous allez bien? Ça va, Malik. Et vous? Ça va bien, merci. Ça va bien, merci. Mais vous voulez savoir l'auditeur qui venait d'intervenir juste avant? Comment il s'appelle l'auditeur qui venait juste d'intervenir? Laissez tomber son nom, allez-y, dites-moi ce que vous voulez dire. Bon, bref, je connais pas son nom, mais je suis entièrement d'accord avec lui. Et carrément, franchement, il a raison de rigoler parce que ça devient, plus on vous écoute, et plus ça devient drôle, carrément. Parce que. Il y a une chose qu'il faut arrêter, M. Abbassi. Et à partir du moment où on n'est pas d'accord avec vous, il faut arrêter de dire que les gens ils disent n'importe quoi. Et je ne vois pas en quoi ce monsieur il défendait la jeune fille qui est condamnée en Irak, je ne sais quoi. Il donnait des faits. Il disait que les avocats, ils n'avaient pas pu, intervenir. Mais je ne vois pas en quoi il la défend. Je ne comprends pas. Mais vous, par contre, comme je vous l'avais dit la dernière fois avant que vous me coupiez, dès que ça critique Israël, et ben là, c'est en fait la critique d'Israël, elle est quasiment mais interdite. Mais ça devient hallucinant carrément. Et il y a un truc que je trouve drôle, c'est que moi je la défends pas. Alors, je vous arrête, Malik. Avant de faire vos propagandes et écouter ce que vous voulez dire, mais je veux te poser aussi quelques questions. Une fois qu'ils te répondent à mes questions. Et vous avez la parole sans aucun doute. Non, attends. Première règle, je vous ai dit, quand je parle, vous ne parlez pas. Comme vous, quand vous parlez, je ne parle pas. Ben, vous m'avez coupé, je n'ai même pas fini. Vous m'avez coupé. Non, ce que vous dites, ça ne m'intéresse pas. Je ne suis pas là pour perdre mon temps avec vous. Mais seulement, non, puisque vous n'écoutez pas à cette personne qui avait changé de nom, première question que j'ai posée, que je te pose aussi, il ne faut pas venir ici de dire blablabla. Il y a une règle sur l'antenne. Cette règle, vous devez la respecter. Première règle, c'est ça. Vous parlez, vous posez vos questions, vous vous exprimez. Quand vous êtes en train de vous exprimer sur quelque chose, moi, je vous pose la question. Est-ce que vous avez écouté les deux parties de conflit? C'est la première question. Toi aussi, si tu veux continuer à parler, tout de suite, tu dois répondre à cette question. Parce que la question israélo-palestinienne, c'est une question tellement chaude, je n'ai pas envie de donner la parole aux gens comme vous, que vous êtes contre Israël, et invoglément, sans connaître la question, vous voulez défendre le Palestine. Ça, je vous dis officiellement, c'est la loi, c'est la règle. Si vous voulez défendre quelqu'un ou quelque chose, vous devez écouter les deux parties. Vous devez écouter les deux parties. Si vous avez écouté les informations diffusées par l'Israël aussi, que par les autres médias, on peut parler ensemble. Vous ne répondez pas à cette question. Deuxièmement, je vous dis, quand je suis en train de parler, il ne faut pas me couper. Vous me coupez. Troisième chose, ce n'est pas la peine de venir ici et juger David Abbassi. Tu es qui? Tu es qui de juger David Abbassi? Moi, j'ai mes idées, je respecte mes idées, je te respecte aussi. Je te respecte. Je te donne la parole. Mais tu n'as pas le droit de venir ici m'insulter. Moi, je sais 10 000 fois des choses plus que toi et vous. Vous ne connaissez rien du tout. Dans votre tête, vous avez le Palestine et vous venez répéter un tir sur les enfants. Et de l'autre côté, écoutez, pourquoi on a tiré sur les enfants? Pourquoi? Est-ce que vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi ou non? Ça aussi, vous le dites. Je vais te donner la parole, mais on va dialoguer, on va parler sur la question. On ne va pas parler sur l'individu de M. David Abbassi. Vous n'avez pas le droit de juger David et parler sur moi. La question israélo-palestinienne, je vous donne la parole 10 heures, 50 heures. Mais répondez à mes questions. Vous n'avez pas le droit de devenir ici, faire le propagande de Dieudonné, des islamistes, d'un côté, comme un journaliste français. Comme les médias, on diffuse les paroles de deux côtés. De deux côtés, premièrement. Et deuxièmement, vous n'avez pas le droit de me juger. Vous êtes qui de me juger? Moi aussi, David, quand vous êtes là, Israël, vous n'avez pas le droit de parler sur moi et de me juger. Moi, je connais, je sais des choses que toi, tu ne le sais pas. Sur tous les dossiers.
Et quand je vous pose la question, vous répondez. Voilà, vous avez la parole, je vais vous donner la parole, mais je respecte de rester dans les 5 règles que je viens d'annoncer, monsieur. Vous êtes chez moi, vous avez le droit de limiter certaines règles et avant tout, vous devez me respecter. Vous ne devez pas prendre parti comme un ennemi. Vous prenez parti comme un ennemi. Je vous écoute, monsieur Malik. C'est bon, je peux m'exprimer ? Bien sûr, monsieur. Je vous ai dit que vous pouvez parler. D'accord. Je disais aussi, il y avait un truc que je trouvais marrant, c'est que, comme je disais, hein, je ne suis pas là pour la défendre ou je ne sais quoi, la fille, elle s'est condamnée, je ne sais où. Il y a un truc qui me fait rire. C'est que moi, qu'elle pourrisse là-bas, il n'y a pas de souci, moi, ça ne me dérange pas. D'accord ? Mais par contre, il y a un truc qui me fait rire, c'est que quand on attrape deux pilotes d'avion, je ne sais où, impliqués dans un trafic de stupéfiants, et qu'un député français ou je ne sais quoi va louer un hélicoptère pour faire évader ce type, et qu'on nous explique en gros qu'il n'y a pas de justice dans le pays où est-ce qu'ils se sont fait attraper, ça me fait doucement rire. Moi. Ça me fait rire. Ça me fait rire parce que quand j'entends aujourd'hui qu'on félicite soi-disant le gouvernement irakien pour avoir jugé ou je ne sais quoi cette bonne femme-là, ça me fait rigoler. Et la question d'Israël, là, comme vous le disiez, monsieur, à partir du moment où il y a un auditeur, moi je vous le dis, ça fait un moment que je vous écoute, c'est pas depuis la semaine dernière, ni le mois dernier, à partir du moment où il y a un auditeur qui appelle et qui émet une critique sur Israël. Je vous coupe, monsieur, c'est quelque chose que vous avez dit 5 fois tout à l'heure. C'est 5 fois. Vous jugez David Abbassi, vous parlez sur la personnalité, sur les idées, sur les actes de David Abbassi qui n'est pas correct. 5 fois tu as dit ça. 5 fois, c'est la 6e fois. Tu n'as pas le droit, parce que je vous connais, hein. Vous venez ici de faire votre propagande. Ce que tu viens de dire, tu l'as dit 5 fois. Moi, je ne suis pas un imbécile, les autres non plus. Tu as dit une fois, c'est terminé. Maintenant, la question, c'était ça. Concernant le conflit israélo-palestinien, est-ce que vous avez écouté les informations de deux parties, vous ou non? Ne répète pas ce que tu viens de dire. Parce que ça, c'est des propagandes des nazis, des islamistes, des fascistes, de répéter. Je veux pas dire que tu es nazi, que tu es fasciste. Je t'apprends comme un père, comme un professeur, comme un maître. Je t'apprends, mon fils. Quand tu répètes dans 2 minutes, 5 fois, une phrase, ça c'est méthode nazie, méthode islamiste. Avec un marteau de répétition d'insultes, d'injures et d'écrasement de l'individu qui est en face de toi, tu vas te légitimer. Je ne te permets pas ça, ni à aucune autre personne. C'est fini l'époque. La question, c'est ça. Si tu écoutes les deux parties de conflit israélo-palestinien, une fois que tu réponds, après on peut continuer dans ce domaine-là. Mais tu n'as pas le droit de répéter ce que tu viens de dire. Je vous écoute, monsieur. J'écoute les informations françaises, d'accord ? Je suis en France, monsieur, j'écoute les informations en France, d'accord ? Et les informations que j'entends en France, quand on m'explique qu'on tire à plus de 100 mètres sur des enfants et des femmes, vous pouvez me raconter ce que vous voulez. J'ai pas besoin d'écouter le parti, j'ai pas besoin d'écouter les deux parties pour savoir que c'est pas normal. On tire pas sur des enfants et des femmes. D'accord ? Il n'y a pas besoin d'écouter les deux parties, c'est des faits. D'accord ? Je vois pas pourquoi vous insistez sur le fait qu'il faut écouter les deux parties avant de venir s'exprimer. J'ai pas besoin d'écouter les deux parties et je suis en France. Moi j'écoute le parti, j'écoute les informations françaises, d'accord ? Et je vois qu'en France... Ne répète pas. Les médias français, hein, que ce soit les médias français, les célébrités, même vous, c'est pareil, monsieur. Hein. C'est qu'à mon avis, je sais pas, vous êtes peut-être sur un siège éjectable ou je ne sais quoi, vous avez peur pour votre poste, mais moi je vous le dis, moi je fais partie du peuple, j'en ai strictement rien à tirer, je peux critiquer Israël aujourd'hui, demain, ça ne changera rien du tout à ma vie, monsieur. D'accord ? Ok, on peut dialoguer, Malik. Mais il n'y a pas de souci, monsieur. Merci. Écoute-moi, s'il te plaît. Ok, écoute-moi maintenant. Je ne suis pas d'accord avec vous, il faut arrêter de dire que les gens... Écoute-moi maintenant, s'il te plaît, ne répète pas. Est-ce que tu peux comprendre ? Répéter deux choses, qu'est-ce que ça veut dire ? Voilà, c'est pas la peine de répéter. Écoute-moi d'accord, maintenant. Est-ce que vous pouvez comprendre que quand on n'est pas d'accord avec vous, on n'est pas... Ah, punaise. Je te dis de ne pas répéter. Nous sommes en train de dialoguer, je veux ouvrir ta tête. Je suis désolé de te confirmer que quand tu écoutes seulement les informations par les chaînes françaises, tu ne peux pas juger ce conflit. Voilà, c'est ça que je veux te dire. Tu devras aller écouter les informations israéliennes
qui est diffusé en langue français aussi. Je ne t'ai pas demandé d'aller écouter les informations en hébreu. Seulement, les informations disponibles sur les chaînes de télévision, tu vois, actuellement, c'est par les centaines. Free, Bouyouk, SFR, Orange, n'importe quel réseau que toi, à la maison, tu peux écouter les médias israéliens en langue française. Une fois que vous écoutez ça, vous allez voir ce que vous répétez. Ce que, moi, je ne vais pas défendre Israël. Israël n'a pas besoin de David Abbassi pour se défendre, soyez sûr et certain. Il n'a pas besoin de David Abbassi, Israël. Mais je suis en train de vous donner des informations. Je vais te dire que tu dois aller voir, écouter les raisonnements d'Israël, pourquoi il tire. Est-ce que tu sais pourquoi il tire? La question, c'est ça. Ne répète pas ce que tu viens de dire. Est-ce que tu sais pourquoi il tire sur les individus que toi, tu viens de dire, enfant ou l'homme ou femme? Tu sais pourquoi il tire? Pourquoi il tire? Non, je ne sais pas. Allez, dites-moi, monsieur. Qu'est-ce qui peut justifier qu'on tire sur les femmes? Ah, voilà, merci. Tu ne le savais pas, alors? Non, mais je vous écoute, monsieur. Merci. Tu ne le savais pas pourquoi ils ont tiré sur les masses populaires, soi-disant? Tu ne savais pas, alors? Non, Malik? Je te pose la question. La seule chose que je sais, c'est qu'on ne tire pas sur des gens à... Ah non, si on tire sur toutes les menaces qui viennent vers toi, tu dois tirer. Si quelqu'un vient en face de toi avec un couteau, avec un pistolet, avec un cocktail Molotov, tu ne vas pas tirer, toi? Tu vas te laisser mourir? Les tirs étaient à plus de 100 mètres. Monsieur, les tirs étaient effectués à plus de 100 mètres, monsieur. D'accord? Monsieur, ok, mètres, ne répète pas, seulement je te posais la question. Tu sais pourquoi ils ont tiré ou non? Tu m'as dit non. Si tu dis non, moi, je veux t'informer. Monsieur, à la limite, la raison pour laquelle ils ont tiré, ce n'est pas intéressant. On ne tire pas sur des gens à 100 mètres, d'accord? On ne tire pas sur des femmes et des enfants à 100 mètres, d'accord? 100 mètres ou 3 mètres? Avec un couteau. 100 mètres, monsieur. Tu as dit 3 mètres. J'ai entendu. Écoutez-moi, monsieur, moi, j'ai écouté aux informations. Vous savez que la plupart des tirs, ils étaient effectués à plus de 100 mètres, d'accord? Je veux bien que vous nous expliquiez que quelqu'un qui a un couteau... Et c'était quoi? C'était où et quand on a tiré? C'était l'ennemi, soi-disant d'Israël, était où? Israël, il était où? Ils étaient où quand ils ont tiré, les deux parties? C'est la question, répondez s'il vous plaît. C'est-à-dire, ils étaient où? Je n'ai pas bien compris. Quand ils ont tiré sur l'individu qui te dit avec une distance de 100 mètres, ils étaient où? C'était passé où? Mais c'est-à-dire, je ne comprends pas bien où vous voulez en venir, là, monsieur. Ah, je te pose la question, c'était passé où, ce conflit? L'endroit de tir, c'était où? Je ne sais pas, monsieur. Tu ne sais pas où c'était, et seulement tu viens de dire que... seulement tu as entendu qu'on a tiré sur les enfants, sur les femmes, mais tu ne sais pas, c'était où? L'endroit, tu ne le sais pas? J'ai vu à la télé, mais monsieur, c'était pas en Israël, hein, si je ne me trompe pas, non? C'est où? Je sais que c'est en Israël, mais c'est où, mon ami? Monsieur, je ne saurais pas vous dire l'endroit exact, mais est-ce que je vous dis c'est faux? Est-ce qu'il y a des gens qui ont été victimes de tirs de sniper? Mais il est deux questions que tu dois répondre. Pourquoi ils ont tiré et c'était où? C'est deux questions. Si tu n'as pas la réponse, tu ne peux pas le comprendre. Il faut chercher ces deux réponses. Mais en fait, c'est préféré ce que vous me dites là, c'est comme si que moi, je vous explique en gros, c'est vous trouvez des excuses à des criminels. Moi, c'est ce que j'ai compris. Pourquoi? Mais c'est-à-dire pourquoi? Pourquoi dans un conflit, un il est criminel et l'autre qui tente de tuer l'autre n'est pas criminel? Si je suis votre raisonnement, on a des attentats en France. On a des gens qui commettent des attentats en France. Donc, il ne faut pas les considérer comme des terroristes. Il faut chercher à comprendre aussi. Parce que si je suis votre raisonnement, c'est exactement le même raisonnement que vous tenez là. On ne défend pas l'Israël. On ne défend pas l'Israël. Écoutez bien, tout le monde. Ici, David Abbassi, il ne défend pas l'Israël. Moi, je suis en train de parler avec toi, Malik, et je te pose deux questions. J'ai précisé 4-5 fois que je ne défends pas l'Israël.
Le terrorisme d'aujourd'hui, djihadisme, islam terroriste, il vient de l'ignorance d'individus. Ignorance. Sur cette antenne, soyez sûrs et certains qu'on ne défend pas l'Israël. Ça, je vous dis 50 fois. Mais si vous êtes sages, vous êtes des hommes sages, vous venez évoquer une question, et cette question, moi, je suis informé, je connais, je sais certaines choses que vous ne savez pas, je vais vous donner ces informations-là. Parce que si on ne donne pas ces informations-là, ce n'est pas question de défendre Israël. On va laisser les islamistes faire leur propagande comme ils vont. C'est question de propagande islamiste qui prend en otage la question et la guerre entre Israël et Palestine. Ce n'est pas de défendre Israël. J'insiste, mes amis. Mon cher ami, j'insiste. On ne défend pas Israël. Mais seulement, écoutez alors bien. Écoutez, s'il vous plaît. Vous aussi, tout le monde. Écoutez bien. Déjà, vous devez savoir pourquoi ce conflit tout d'un coup a commencé. Par ignorance. C'est-à-dire, ils ont utilisé de peuples héros, de peuples gentils, de peuples misérables palestiniens comme un objet. Ils ont utilisé comme un objet de ce peuple, de la gentillesse de ce peuple. Une fois que l'Israël et les Américains, ils ont attaqué les bases de la République islamique d'Iran en Syrie, et même en Iran, il y avait des attaques, les Iraniens qui financent Hezbollah et Djihad islamique, ils ont demandé cette manifestation. Ces manifestations, c'était ça. Le retour des Palestiniens, soi-disant, vers Israël. Alors, comment ça se passait? Si vous ne savez pas, ça aussi, c'est une information que je vous donne. Écoutez, ça, c'était les gens de Gaza qui venaient de Gaza, territoire palestinien, vers frontière israélienne. Une partie, pas la totalité. Une partie, il était armé de cocktails Molotov, de couteaux, des choses comme ça. Et de l'autre côté, de barrières, c'était la frontière d'Israël. C'était la frontière d'Israël et le soldat israélien. Il voyait qu'une masse venait vers eux. Je demande à vous, si vous êtes gendarme, policier, en train de garder la frontière de la France avec l'Allemagne. Frontière de la France avec l'Italie, frontière de la France avec Suisse. Vous êtes aux frontières, il y a une masse de peuples. C'est pour ça que je te demandais l'endroit. Tu sais où est-ce qu'il était? Tu ne savais pas l'endroit. Je ne justifie pas ce qu'Israël il a fait. Je suis en train de vous informer. Parce que quand vous n'êtes pas bien informé, vous devenez fanatique. Même pas David, il n'a pas dit quelque chose, vous le dites. Voilà. C'était passé comme ça. Les individus venaient de côté Gaza par centaines, par milliers. Parmi ces gens-là, il y avait des gens armés, cocktail Molotov, couteau, des choses comme ça, vers les soldats israéliens qui étaient chez eux, dans la frontière israélienne. Et le conflit, c'était comme ça que commençait. En plus, ce conflit, il s'arrêtait tout de suite après que. Et des accords s'étaient faits entre Hezbollah libanais avec Israël, l'Iran, la Russie avec. Parce que ça, c'était. Ils ont pris comme un Libye, le peuple palestinien, encore une fois, en faveur de conflits israélo-iraniens. Voilà, c'est tout, mes amis. C'est ça que vous ne saviez pas. Je vous informe. Ici, on ne défend pas l'Israël. 10 000 fois, je vous ai dit, il n'a pas besoin d'Israël de cette radio ni de David Abbassi, parce que c'est mon émission. C'est moi qui je suis responsable de mon émission, pas la radio. Mais je veux vous dire, quand je vous pose la question, vous ne savez pas. Seulement, vous venez répéter vos propos. Personne ne justifie pas tir sur les enfants, sur les femmes, sur les hommes non armés. Personne ne justifie pas. Mais quand je vous pose la question où, comment c'est passé, vous ne le savez pas. C'était la frontière d'Israël et les gens qui venaient de Gaza, d'un autre pays, ils venaient vers ce pays avec manifestation, avec la violence. Le conflit s'était passé comme ça. Après, je ne suis pas juge. Je ne veux pas juger, mes amis. C'est pas à moi de juger. Je vous informe. C'est vous-même en plus que vous évoquez cette question. Quand vous évoquez cette question, moi que je suis bien informé, et je vous donne des informations. Mmh.
Et sans aucun doute, vous savez, moi-même sur cette antenne, je vous avais dit plusieurs fois, ce n'est pas seulement les musulmans qui sont contre Israël, qui critiquent Israël, non. Et par contre, les musulmans, ils ont entré dans cette contestation depuis Hezbollah et depuis Djihad islamique. Avant, même pas, ce n'était pas musulmans et les islamistes. Même les musulmans, même les islamistes n'existaient pas à l'époque, c'était les musulmans. Ils n'étaient pas contre Israël. Ils travaillaient bien, il y avait des musulmans par centaines de milliers qui travaillaient en Israël sans aucun problème. Mais Israël et le peuple juif, toujours, étaient critiqués, bien sûr, par les autres individus. Les autres individus, pour la plupart des fois, après la création de communistes et Lénine, c'était par le communiste, par le gauche, la gauche. Et Staline, il a massacré les juifs. Israël n'a pas été encore créé. Ça, j'avais dit sur cette antenne plusieurs fois, mes amis. Mais seulement ce conflit-là de la semaine dernière, ça, c'était Hania, Ismaïl Hania, djihad islamique, etc., les mouvements proches à la République islamique d'Iran. La République islamique d'Iran lui-même, il n'a pas osé attaquer l'Israël pour répondre aux attaques américaines israéliennes en Syrie, qui a coûté tellement cher pour l'Iran, puisque même la Russie, elle était d'accord concernant ces attaques. Ces manifestations, c'était encouragé et financé par ces gens-là. Mais c'est vrai, la critique, même avant la création d'Israël, ça existait, j'avais dit plusieurs fois sur cette antenne, même Hitler et les nazis, c'était avant. Oh, même dans l'histoire, si vous allez, même au Moyen-Âge, ça existait. On parlait d'ici et maintenant de ce conflit-là. Mais c'est vrai que depuis la création du communisme, c'est la gauche qui était contre Israël. Surtout, pour la plupart des mouvements palestiniens qui étaient dans le Fatah avec Yasser Arafat, la majorité, c'était des mouvements gauche, non musulmans. Par exemple, George Habash, patron Carlos, qui actuellement est en prison, ou Naif Hovatme, et plusieurs d'autres personnes que je ne veux pas les citer, les grands chefs palestiniens que moi je le connaissais. Moi j'ai rencontré Arafat, je connaissais George Habash, j'ai parlé avec Naif Hovatme, je connaissais tous ces gens-là. Une grande partie du mouvement palestinien avant la création de la République islamique d'Iran, c'était de gauche. Seulement 10% c'était des partis musulmans. Ça aussi je le savais. Et ça aussi je l'avais dit plusieurs fois sur cette antenne. Mais ce soir, vous avez évoqué ce conflit de la semaine dernière, d'il y a 10-15 jours. Ce conflit, j'ai posé la question. Si vous avez écouté les deux parties, vous ou non. Si vous savez, ce conflit, ça s'est passé où? Vous ne le saviez pas, c'était la frontière. La frontière d'Israël, les milliers de gens qui venaient de Gaza, qui voulaient entrer en Israël. Ils disaient qu'on va rentrer chez nous, puisque c'était les gens qui se sont émigrés, qui sont sortis d'Israël quand il y avait le conflit. C'était une information que David vous a donnée. Je vous ai informé. Je n'ai pas pris position sur l'affaire. Je vous ai informé. On est là pour vous informer. On peut juger bien si on est bien informé. N'est-ce pas? Allez, vous écoutez votre radio ici maintenant sur 95.2 FM. Et vous avez la parole, mes chers amis. Vous êtes sur la radio ici et maintenant. Retrouvez l'émission Soleil de Perse, animée par David Abbassi, en direct à partir de 23h sur Ici et Maintenant, 95.2. Monsieur Abdel, bonsoir. On vous écoute, monsieur Abdel. Bonjour, monsieur Massani. Merci pour votre information. Moi, je vous ai toujours écouté, mais je n'ai jamais osé vous appeler. Donc, moi, j'ai compris votre explication comme quoi qu'Israël défendait ses frontières. Donc, c'est vrai qu'Israël nous a demandé, à travers des diplomates, et à travers l'ONU, avec la représentatrice américaine,
d'accepter et de comprendre les tirs que commettait Israël envers les Palestiniens, car Israël protégeait sa frontière. D'accord. Donc, alors, on peut comprendre les Palestiniens qui tuent les Israéliens quand les Israéliens vont dans les terres des Palestiniens. Il n'y a aucune raison qu'on accepte l'excuse israélienne d'avoir tué des Palestiniens parce qu'elle a voulu s'introduire dans sa frontière. Et dans l'autre sens, on n'accepte pas les Palestiniens qui tuent les Israéliens parce qu'Israël va dans les terres palestiniennes. Parce que là, on appelle les Palestiniens, quand ils réagissent comme Israël, on les appelle des terroristes. Et quand Israël tue des Palestiniens pour défendre sa terre, comme les Palestiniens tuent des Israéliens pour défendre leur terre, on appelle ça, les Israéliens ont le droit de le faire légitimement. Et là, je pense que c'est grossièrement injuste. Beaucoup de gens... En France, nous, nos frontières sont franchies pratiquement toute l'année par des migrants. C'est pas pour autant que les CRS, la police française, tuent à balles réelles les migrants qui franchissent nos frontières. Israël aurait pu faire la même chose. Elle a les moyens. Elle a une armée assez puissante, avec des crémogènes, des matraques, des boucliers. Donc, si on donne une explication, encore une fois, je le répète, et une excuse à Israël, j'ai abattu des Palestiniens parce qu'ils ont voulu franchir ma frontière, donc il faut comprendre les Palestiniens quand ils abattent les Israéliens, quand les Israéliens veulent s'introduire dans les terres palestiniennes, et d'ailleurs, ils le sont. Qu'est-ce que vous en pensez ? Mon cher Abdel, je suis ravi d'entendre votre argument. Et, si vous permettez, puisque j'arrive à la fin de mon émission, et j'ai beaucoup d'appels, je veux prendre également Lucho. Lucho, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Je vous appelle parce que j'ai écouté votre dernier commentaire à la personne qui me précède. Et je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Vous avez une façon de dialoguer et de poser... Laissez tomber mes façons. Vous dites que... Qu'est-ce que j'ai dit que vous n'êtes pas d'accord ? Parlez de sujet que j'ai parlé. Ne parlez pas de la personnalité, de l'idée de David Abbassi. Ne jugez pas l'individu qui est en face de vous. C'est ça que j'avais dit plusieurs fois, j'insiste. Ce que je dis, que vous n'aimez pas, c'est mes propos. Allez-y. Non, je peux aussi ne pas aimer votre façon d'argumenter. Mais venons à vos propos. Vos propos, vous dites, nous, vous ne savez pas ça, vous ne savez pas ça, vous dites des banalités, parce que tout le monde sait que les affaires se sont déroulées à la frontière. Mais ce que vous ne dites pas, c'est que cette frontière, c'est une frontière abusive qui a été construite par Israël à l'intérieur de la Palestine, dans les limites établies par les règles des Nations Unies. Israël a bâti la frontière à l'intérieur, je ne me rappelle plus si c'est 100 mètres, 200 mètres, 300 mètres, à l'intérieur de la Palestine. Donc, c'est une frontière abusive en Palestine. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que on ne tire pas sur la foule à bas réel. Il existe d'autres moyens. Toutes les polices du monde le savent. Toutes les polices du monde utilisent d'autres moyens, comme des jets d'eau, comme des chars avec des boucliers. Il y a 100 000 manières de contrôler la foule, au lieu d'utiliser des balles réelles. Alors que les militaires, d'abord on n'utilise pas les militaires contre les civils, mais les militaires ont tiré de ce côté d'une frontière, et je suis d'accord avec vous, les Palestiniens apaisés, semblant, bon, ils essayaient de s'approcher, mais ils ne sont même pas arrivés à la frontière. Il y avait un rideau, il y avait tout ce qu'il fallait pour les arrêter, avec des jets d'eau, et puis quelques cocktails molotov. Mais nous voyons ça dans les rues de Paris.
Il y a 50 000 fois des gens qui jettent des cocktails Molotov. Et la police ne tire pas sur la... Voilà. Alors, maintenant, qu'est-ce que vous dites? Merci. J'ai écouté vos propos, malgré que mon émission s'est été finie, pour le respect que j'ai pour vous toutes et tous. Il est 5 minutes que j'ai pris de plus, que je n'avais pas le droit de le prendre. Mais vous avez le droit de... d'avoir vos idées, mes chers amis, mais ce que David il vous dit, j'insiste. Vous n'avez pas le droit de juger la personne, qu'il soit David ou le balayeur dans la roue. Vous devez dialoguer sur les propos, sur les pensées, les propos et les pensées, pas l'individu et la méthode. Et deuxièmement, sur cette antenne, depuis 35 ans, David Abbassi a dit plusieurs fois, mes chers amis, écoutez bien, que même les mouvements sionistes israéliens, ils ont commencé leurs activités par les actes terroristes en Israël. Menachem Begin, Moshe Dayan et plusieurs autres personnalités fondateurs d'Israël, ils faisaient des actes terroristes avant de la création d'Israël. Mais ces actes terroristes touchaient plutôt les colonisateurs britanniques, surtout un de ces actes terroristes qui est tellement connu que vous le connaissez, c'est le hôtel King David. Là-dedans, il y avait 41 Britanniques, ou peut-être 28 Britanniques tués, 41 Arabes, 17 Juifs, également, vous voyez, dans le hôtel King David, mais mes chers amis, les actes terroristes qui faisaient les sionistes à l'époque en Palestine, ce n'était pas seulement celle de King David. Ils combattaient les colonisateurs israéliens comme la France combattait les nazis, par les actes terroristes. Mais comme vous savez, personne n'a pas dit à Charles de Gaulle qu'il était un terroriste. On a dit qu'il défendait son pays contre les nazis. Alors, les juifs, juifs sionistes, qui étaient entrés en Israël, Palestine de l'époque, ou également, ils ont conquis ce pays par les actes. Oh, il dit résistant, mais dans l'histoire, c'est marqué terroriste d'un côté. Bien sûr, ils ont fait plusieurs actes. Seulement l'hôtel King David, c'est un des plusieurs actes qu'ils ont commis. Et c'était comme ça qu'ils ont pu imposer leur force aux Nations Unies pour être reconnus comme un État. Mais il ne faut pas oublier. Et les Britanniques qui n'avaient pas oublié le 28 victimes et dans l'hôtel King David, et plus de 750 000 d'autres soldats britanniques tués par le mouvement sioniste, ils n'ont pas voté la création d'Israël aux Nations Unies. Et le Grande-Bretagne et quelques pays qui étaient liés à Grande-Bretagne, c'est quelque chose que je vous donne, mes chers amis, vous ne le connaissiez pas. Le Grande-Bretagne et quelques autres pays, ils n'ont jamais voté la création d'Israël. Pourtant, actuellement, si vous demandez aux gauches et aux musulmans et chrétiens contre Israël, ils vont vous dire que l'État d'Israël s'était créé par les Britanniques. Non, les Britanniques étaient une force mondiale qu'il y a déjà 70 ans. Dans les Nations Unies, ils n'ont pas voté la création d'Israël, puisqu'ils considéraient cet État étant terroriste. Ils n'ont pas voté. Pour celles, le conflit est très ancien, et actuellement, nous aussi, soyez sûrs et certains, j'avais dit sur cette antenne, je précise, si une force mondiale n'était pas derrière le petit mouvement palestinien, jamais ce petit mouvement, qu'il soit même l'Iran, Hamas dedans, il ne pourrait pas exister. Il y a une force mondiale, bien sûr, qui soit de gauche, des ex-communistes, socialistes, stalinistes, britanniques,
qu'ils sont contre Israël. Mais eux, ils utilisent les gens qui sont ignorants. Ignorants, c'est quoi? C'est ça. Je vous pose la question. Vous savez pourquoi? Vous savez c'est où s'est passé ces dernières? Vous savez que ça, c'était... Parce que moi, je lis les informations en 5 langues. Les médias iraniens, oh, ils ont écrit en noir et blanc. Le guide spirituel iranien, il a dit que c'est nous, cette manifestation. Il a dit, mais vous le savez pas. En plus, on vous dit pas tout ici. Et maintenant, c'est-à-dire dans les médias français, on vous dit pas tout. Mais Ali Khamenei, le patron d'Iran, lui-même, il a dit, ces manifestations, c'est nous, et nous soutenons, patati patata, et voilà. Alors, moi, c'était ça pour vous éclairer, mes chers amis, pour vous donner des informations. On n'est pas là ici pour défendre tel pays ou être contre d'autres pays. On est pour être humain, on est humaniste, après, c'est à vous de partager vos idées. Mais seulement moi, qu'est-ce que je veux de vous? Je veux que quand vous venez pour intervenir, soyez intelligent, soyez aimable, soyez raisonnable. Ne voyez pas en face de vous un ennemi. De vos propos quand vous parlez, David, tu te sens haine. Il n'y a pas de haine. Ha! Regardez comment Yasser Arafat, il a serré la main de Shimon Peres. Mahmoud Abbas, il se soigne en Israël. Et vous êtes qui ici? Vous ne savez rien de tout. Vous venez gâcher mes émissions et l'émission des autres. Vous ne savez rien de tout d'Israël, de conflits et tout ça. Et bien sûr, quand vous faites la guerre, quand vous n'avez pas le moyen, vous faites la guerre contre un pays qui est fort, ne soyez pas... on ne va pas vous donner des cadeaux. Ils viennent, comme en 1980, on a forcé à la fois de quitter le Liban. Maintenant aussi, il faut accepter la paix. Il faut aller vers la paix. Il faut donner des propositions pour faire de la paix entre les deux peuples. Cette guerre de deux peuples, vous savez que ça existe depuis, parce que c'est deux cousins, depuis des siècles. Depuis Joseph, Jacob, Benjamin. Oh, c'est historique. Laissez tomber, vous. Oh, ils vont régler ce problème-là. Ils vont régler ce problème-là si les autres pays arabes ou musulmans ne participent pas dans ce conflit. Parce que les conflits, imaginez-vous, moi je connais bien la question palestinienne. Un de mes études. Je connais tous les mouvements. Tous les mouvements. Et comme je vous ai dit, j'ai de proches aussi, je connais ces gens-là. Soyez sûrs et certains, il n'y a aucun mouvement palestinien indépendant. Tous les mouvements palestiniens, à l'époque que Gaddafi, Assad, Saddam Hussein existaient, jusque maintenant, les mouvements, ils sont liés à tous les pays musulmans dans le monde. Et chaque pays, quand il veut jouer quelque chose, il joue avec ses pauvres gens, ces braves gens, parce que les Palestiniens, ils sont très braves. Les musulmans, ils sont très gentils. Ils sont très, très gentils. Mais puisque, comme la question de ce soir qu'on vient de le dire, puisque cette question de bien étudier l'affaire, d'être bien informé des questions israélo-palestiniennes, le conflit, comment a été commencé, où et comment c'était commencé, c'est très important, mes chers amis. Il y en a de temps en temps, nous sommes trop sensibles à certaines choses. Quand on est trop sensible à certaines choses, par exemple, si moi je suis trop sensible à mon enfant, je le laisse faire n'importe quoi, ça ce n'est pas l'amitié. L'amitié, ce qui est... Dans la guerre, quand vous faites la guerre, celui qui est plus fort, il impose des choses et des règlements plus forts. Quand vous envoyez je ne sais pas quoi vers votre voisin va venir chez vous, il va prendre le Gaza, il va prendre le Golan, le montant de Golan. Pourquoi il a pris le Sinaï, il avait pris. Oh, quand on fait la guerre, c'est ça. C'est pour ça qu'il faut, avant de prendre parti,
Parce que certains, ils sont très sensibles. Mais cette sensibilité, on nous perd la raison. La raison, c'est de raisonner correctement, raisonner. Et avoir toutes les informations. J'insiste, que si vous écoutez les informations seulement en une langue, en français, vous n'êtes pas au courant de tout et vous ne savez pas qu'est-ce qui se passe. Est-ce que vous saviez, ça sera pour la semaine prochaine, est-ce que vous saviez que cette conflit manifestation récemment, que plusieurs innocents palestiniens étaient tombés, qui étaient tués, vous saviez que c'était la guerre d'Iran, Irak, la Syrie et Liban, Hezbollah contre Israël? Vous saviez ça ou non? Vous ne saviez pas? Comment ça se fait que tout d'un coup, des milliers de gens ils vont attaquer, manifester vers les frontières d'Israël, et après quelques jours, Ismaïl Haniyeh, il dit arrêtez, c'est terminé. C'était Israël était tellement fort, il a frappé les sites en Syrie et ailleurs. Oh, ils ont envoyé les manifestants. C'est ça que je veux que vous compreniez pas. Vous comprenez, que vous ne le comprenez pas. C'est ça. Ce n'est pas de prendre parti. Ce n'est pas. Si vous écoutiez dans d'autres langues les informations, vous saviez que vous étiez piégé. Alors, l'individu qui a manifesté, l'individu qui, s'il défend les manifestants, qui ne sait pas pourquoi ils ont commencé à manifester, vous êtes piégé. Vous êtes piégé. Ce n'est pas seulement puisque je suis très sensible à cette question-là, que voilà, même les Juifs, ils ont fait ça il y a déjà 100 ans, ils ont fait ça. Non, soyons raisonnables. Question israélo-palestinien pourrait être terminée si la question de Proche-Orient sera terminée. Si cette question restera, le problème, ça continuera. Puisque les Palestiniens ne sont pas indépendants, tous les mouvements sont à la main des pays de quartier. C'est ça que je veux que vous compreniez. Et vous, ici, vous venez évoquer ce problème. Je n'ai pas envie de parler de Palestine et d'Israël, puisque vous toutes et tous, vous n'êtes pas bien informés. Voilà. Je vous embrasse toutes et tous. Je vous dis merci. À très bientôt. Je veux envoyer mes salutations pour mon ami Didier Doplège. Et je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas, moi, c'est mes idées. C'est mon tribune, ce n'est pas la radio, premièrement. Et même moi-même, je ne défends pas quelqu'un ou n'importe quel pays. Je défends le métier écrivain, journaliste, historien et écoute des informations en plusieurs langues. Même si ce n'est pas la peine d'écouter en plusieurs langues, moi j'écoute en plusieurs langues. Mais vous pouvez écouter en langue française les informations de plusieurs pays par les chaînes satellites et même par l'Internet. Après, vous allez voir, les choses ne sont pas comme ça. Si vous êtes manipulé par X d'aller manifester dans la rue, est-ce que vous êtes content? Non. Point final. Merci à toutes, merci à tous. Je vous embrasse toutes et tous et je vous dis au revoir. Merci, mon cher ami. Vous écoutez Radio Ici et Maintenant sur 95.2 FM, sur internet icietmaintenant.com et sur la RNT, le canal 9A. L'humeur du temps, tous les lundis dès 23h et Soleil de Perse, tous les derniers samedis de chaque mois, est présentée par David Abbassi, écrivain et historien.